girls with their nails done wrong. Salut à toutes et à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 sur Gravel avec le championnat Oceania League. Donc c'est l'épisode 4 avec un total de 12 étoiles. On va voir ce qu'il y a comme épreuve. Donc il y en a 4, d'accord. Donc ouais, ok. 4 tracés. On va voir ce que ça donne, il faut terminer premier, on est à la mine de fer. The Iron Man Outback. Et du coup, on a accès à ces véhicules. On a tout débloqué. Lequel je vais prendre? C'est lequel le meilleur? C'est ça le truc. Je sais pas. Lui, il glisse beaucoup. C'est le problème. Mais il va vite. Ça, c'est celui qu'on a débloqué en battant Scott Parker, mais... Il a l'air d'être très très lourd. Je pense partir sur le Ford Raptor. Allez, on va partir sur le Ford Raptor et... On verra ce que ça donnera. Allez, c'est parti pour cette première épreuve. 4 tours, une sorte de grand 8 dans la mine. J'espère que ça va être assez simple. Je vais devoir jouer plus agressif de ce qu'on m'a dit. Comme je l'avais fait un petit peu auparavant. Espérant. Alors l'IA, ça commence bien. L'IA, elle est sur des rails, ça change pas. Elle peut te mettre facilement dehors, mais moi, je galère. Elle sait pas conduire, il y a un problème sur ce circuit. Ça se passe comment? Et là, bizarrement, je m'écarte, ils font pas d'accident. C'est scripté. D'accord, je peux pas tourner vers la gauche, je sais pas pourquoi. Je sens que ça va être une épreuve impossible. Terminer premier. Ouais, non. Je me vois déjà perdant, mais là, je vois pas autrement en fait. L'IA, je sais pas ce qu'elle fabrique. Ça me saoule déjà. Ça me saoule déjà. Ça fait à peine 2 minutes, ça me saoule. Tu peux rien faire. L'IA va plus vite que moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi il bombarde et moi j'arrive pas à bombarder? L'IA encore sur des rails. J'ai pas accès à meilleurs véhicules en fait. Et j'ai l'impression que les autres ont des véhicules que je n'ai pas. C'est ça qui me termine. Comment voulez-vous que je sois premier? Je vais devoir baisser la difficulté, hein. J'ai pas le choix. Le jeu devient trop dur. Hein. Alors on pousse encore. Je sais pas comment terminer premier sur cette épreuve. On finira quatrième, mais je vais la recommencer en moyen. J'ai pas le choix de la finir en moyen parce que ça ne veut pas. Impossibilité de les doubler. Ils sont plus rapides que moi, je sais pas pourquoi. L'IA, elle triche. L'épisode de la triche. Une nouvelle édition d'offre rejouer. S'achève. Oui, oui, tais-toi la voix off. On va se mettre en difficulté moyenne. Je
Je vais devoir passer en moyen. C'est pas possible autrement. Alors voilà le pic de différence quand même. Donc l'IA en difficile, elle est juste pas fun à abattre. Je pense que je vais remettre en difficile derrière, mais dès qu'il y aura une épreuve comme ça, tout ce qui est épreuve facile type grand 8, moi je vais baisser directement la difficulté. Hein. Même si j'ai pas à pouvoir l'air de rattraper. Autre. Allez, encore sur des rails. Mais je pense que je vais rester avec le BMW qui était gratuit en DLC. Celui qui est actuellement premier devant moi. Parce que ça a l'air d'être le plus puissant, donc... Est-ce que je vais pouvoir le doubler? C'est la question. Allez, tu peux le doubler. Yes. Ah, je vais pas me gêner, hein. Ils arrivent à me déglinguer comme ça, là, voilà, ils ne lâchent pas. Bon, en moyen, c'est... Je dirais plus simple forcément, mais pas tellement que ça. C'est difficile, hein, vraiment. Cette épreuve là me termine déjà. Non, c'est pas ce que je voulais faire. Bon, on gagne en difficulté moyenne. Une nouvelle édition d'offre. C'était pas évident. Du coup, on passe niveau 23. Deux voitures et un circuit. Mais ouais. Donc, mes impressions étaient bonnes. Hein. La difficulté du jeu est totalement... aléatoire. C'est un peu con. Donc là, il y a... Ne vous faites pas éliminer. D'accord. C'est une course à élimination. Du coup, on a pas mal de bagnoles. Qu'est-ce qu'on n'a pas testé? Celle-ci, si je dis pas de bêtises. Allez, du coup... Petite course à élimination en ovale de nuit. On va voir comment elle traçait. Et j'ai laissé en moyen par contre. Ouais bah tant pis. Hein. Tant pis. On me dit ouais la playlist hard difficulty c'est pas en difficile. Ouais là pour le coup c'est vrai que c'est simple. Bon bah comme ça on voit vraiment ce que ça donne en moyen et en 30 secondes on a doublé tout le monde. Bon après c'était dû parce que j'ai un véhicule très puissant. Parce que je suis sûr on remplace ces véhicules par les véhicules d'avant. À mon avis il y aura à peu près le même résultat. Je suis en train de galérer. Par contre, de nuit, c'est pas la... C'est pas la meilleure météo, quand même. Je vois pas grand-chose. Pour ceux qui disposent des appareils récents, vous avez accès au HDR, au High Dynamic Range. Et du coup, ça vous passe le jeu, en 60 images. Alors que de base, le jeu est en... 30 images et encore.
D'accord. En train de longer tout l'extérieur. Bon, je vais repasser en difficile derrière parce que bon. C'est quand même un écart, mais c'est bizarre qu'il y ait un grand écart comme ça de difficulté. En difficile, ça devrait être. Ah, on va dire. Assez simple de les doubler, mais qui reste derrière toi. Pas en mode genre. Je suis devant et je reste tout le temps devant et t'as pas moyen de le rattraper. Ça, c'est. C'est pas possible. C'est impensable, à part que si IA elle se croûte. Mais c'était pas le cas. En tout cas, les derniers, oui, se planter. M'empêcher de passer. Encore deux personnes. C'est un peu long. Au moins. Ouais, je suis sûr de la difficulté que je vais choisir. Je vais rester en difficile. Et que c'est compliqué, je passerai en moyen. Je sais même plus comment on change de caméra. C'est avec le pad. Bon, c'était facile du coup en moyen. Et je pense qu'en facile, tu leur mets un tour d'avance. Mais ça rapporte un peu moins de points. On passe de 7 à 5%. Donc voilà. Bon, du coup, on continue. La mine de fer dans les terres, obtenez le meilleur temps. D'accord. Oh, bon, on a plein de nouveaux véhicules. Le Suzuki Grand Vitara Country Cross, BMW X3CC, Toyota Land Cruiser, Porsche Cayenne Transsiberia et l'Axiona. Un moteur 200 kW, d'accord, c'est un électrique, 4800 V8. Là, le Porsche a 400 chevaux en plus là. Ah oui, hein. Pour un petit Porsche. Hein. Donc, option de la course. Oh, il y a même très difficile. Oh, ils sont tarés eux. Très difficile. Non mais, ça va aller. En moins d'une 45, ok. Très difficile, et puis quoi encore? Bon, j'étais pas en caméra aussi loin. Hein. J'étais pas en caméra aussi lointaine. Ouais. Ah, c'est traître. Oh, ça va être chaud. Je sens que ça va être chaud. Une 45. En plus, il y a un temps de réponse, comme je l'ai dit. Au moment que tu tournes et au moment que ça... le véhicule se dirige. Il y a une bonne seconde. À part rouler doucement. Je peux pas rouler vite en fait. ...45 ça me paraît... D'accord, j'ai tapé les deux. Ça me paraît chaud. Il n'y a que des épreuves de nuit ou c'est comment?
quand il faut que j'y aille vite, sachant que les panneaux ils apparaissent à la dernière seconde. Donc j'ai pas un véhicule qui accroche comme une Formule 1. Ça c'est salaud, très salaud. Le pire c'est que c'est généré aléatoirement, donc si je recommence l'épreuve, il y a certains panneaux qui vont pas être au même endroit qu'avant. Et je suis deuxième. Et ouais, j'étais deuxième. Pas de chance. Je vais la rejouer. L'épisode de galère. Comme toujours. Thomas le galérien. C'est les deux panneaux que j'ai tapés dans le lot qui m'ont fait perdre cette avance, parce que sinon j'étais pas trop mal parti. Le panneau ce coup-ci est à gauche. Je veux pas accélérer, c'est juste pas possible. Affichez-les bien avant, s'il vous plaît, quoi, un minimum. Super, je vais perdre à cause de ça, vraiment. Ah, je suis premier mais de peu, hein. Je sais pas, je suis combien de combien de trucs, mais de 0,76. Ah oh, non, mais c'est trop. Alors, nouveau véhicule, de nouveaux véhicules et le circuit. C'est trop. C'est trop balèze. Du coup, il reste une dernière épreuve. Obtenez le meilleur temps. 3 tours. Ok, c'est un chrono. Un contre-la-montre. Ah. Alors, du coup, la Ford Escort. Lancer Evolution 6, et la Impreza 2003. Oh, vas-y, hein. Allez. Donc, en moins de 1,36,500. Oula. Même le jeu en conduite automatique a du mal à me placer. Donc, j'ai remarqué aussi que plus les épreuves sont courtes, moins j'ai de chance d'être premier. C'est quand même sur les épreuves d'endurance où j'ai plus de chance d'y arriver. Donc là il y a 3 tours, ça va être probablement très long. J'en ai aucune idée. Peut-être qu'on fait pas le grand tour. La vilaine boss.
Hop là. Tout va bien. Je tourne cette vidéo, on est le 30 novembre. Elle arrivera probablement vers le 10 décembre. Donc d'ici là. Voilà quoi. Alors j'ai pas moyen d'esquiver le saut. 1.35, c'est largement jouable, parce que même au premier tour, c'est battu. J'essaie de faire mieux. Et ouais, c'est 4 épreuves de. On est soit au crépuscule, soit il fait nuit. Vu qu'il y a. En fait, c'est. Tout le temps par des météos. Même quand on a un temps, on va dire, très clément, on a l'impression d'être tout le temps dans la boue, dans les graviers, ce qui fait qu'on glisse tout le temps. Quand j'ai débarqué sur Dirt, ça va me faire tout drôle. Ça c'est très bien pris. Moyen de gagner en ligne 32. D'accord, je sais pas ce qui s'est passé, mais merci le jeu, je t'en voudrais pas. J'aurais pu faire une 32 tout pile, je pense, si j'avais pas tapé cette bosse qui était cachée. La petite bosse qui était planquée. Là, on a beau se dire que c'est plat, mais non, il peut y avoir un truc qui dépasse, qui apparaît au dernier moment. Comme la distance d'affichage, elle est relativement assez faible. Mais j'espère que cet épisode 6 vous aura plu. Bien que je me sois un peu énervé, mais bon, voyons ce qu'il faut faire vu du nombre de tours et les véhicules qu'on a au début. On vous met en dernière position tout le temps. C'est bien aussi un peu de problème. Et quand un circuit en 8 avec des véhicules qui font 40 tonnes, et qu'en plus de ça, tant difficile, et malgré tout, il peut en doubler un, l'IA quand elle te rentre dedans. T'as l'impression d'être aimanté à eux et tu peux rien faire. Tu t'arrives même pas à te dégager la plupart du temps. T'es obligé de revenir en flashback. Et je viens de faire mon pire tour à la fin. Mais ouais, c'était pour ça d'ailleurs qu'ils ont mis les flashbacks. Certainement dû à ça. Du coup il a fait une 36. Donc il a fait un pire temps de ce qui était marqué en. Une estimation. Ok. Mais pour le coup, ouais. 127 000. Ça fait pas beaucoup de points. Hein. C'est-à-dire qu'il faut atteindre le niveau 100. Ok. Ok, ok. Bon. Mais voilà. C'est la fin. Je sais pas trop combien de temps durera l'épisode. J'ai pas mal de montage à faire. Parce que, bah, il y a eu des galères. Hein. Voilà, voilà. Tout ce que je peux vous dire. C'est qu'on se retrouvera pour l'épisode 7 avec un nouveau DLC. Le DLC King of Buggy, donc Roi des Buggy. Il y a 18 étoiles. Ça m'a l'air d'être le plus court des 4 DLC qu'il y a au total.
J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. À vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Et activer la cloche pour ne rien rater. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Ciao ciao. I think the girls with the nails done now.